Oh la vache. Hello! On est le matin. Je pense que je vais ranger mon appart parce que là ça devient problématique. Oui, oui, je vais ranger. Je vais vous montrer. Donc là, faut que je fasse ma vaisselle. Faut que je nettoie un peu ce coin. Là, ça c'est mes affaires pour après. Là, ça va. Bon, faut pas trop regarder ici. Là, ça faut que je m'en occupe. Ensuite, là, je vais aussi un peu ranger. Mon bureau aussi, faut que je range. Là. Je vais juste fermer. Voilà, vraiment. Ensuite, j'ai ma salle de bain. Faut que j'étende mon linge et tout. Enfin, faut que je le range, pardon. On va faire ça. Let's go. Premier pote, trop content de faire ça. Vraiment, dès que c'est le moment. Honnêtement, c'est les rites de 15 secondes, vraiment. Et c'est un peu triste, ça va déchanger sur ce que je pense. J'ai vraiment l'impression que je pense à mon tour. J'avais envie un petit peu de retracer le parcours. Je pense qu'en fait, voilà, donc tout est clean, tout est rangé, ma salle de bain est beaucoup plus propre, il faut juste que je ramasse le tas de poussière, mais c'est tout. Bon, le bureau ça va pas changer parce qu'en fait je vais enregistrer un épisode de podcast là ce matin, et après bah là c'est mes affaires parce que ensuite je vais aller courir, ça fait une semaine, ça fait 4-5 jours que j'ai pas couru, et là j'ai trop envie, je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de tracer et me défouler, donc je vais aller faire ça. Ça va me détendre un peu, je pense. Donc là, je vais faire un peu d'ordi, enregistrer un podcast, et c'est tout. Pouvoir en vivre, il commence. C'est même pas pour me vanter ou quoi, parce qu'en vrai, je m'en fiche, maintenant ça me sert à rien. Mais j'ai toujours été excellent à l'école. Quand t'es moins bon à l'école, j'ai l'impression que c'est bon pour autre chose là. C'était vraiment génial. Je viens de finir, j'ai fait 6 km. En ce moment, j'y vais tranquille parce que je reprends un peu. Donc ouais, 6 km, 28 minutes, je suis content. Je suis assez content, j'y vais doucement mais sûrement, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureux de courir, genre vraiment, ça me manquait trop, et là j'étais vraiment mal pendant le mois de novembre parce que je pouvais plus courir, tout simplement j'étais blessé. Et attendez, je vais vous montrer la vue. Waouh. Bref, du coup grave content, là je vais rentrer doucement, je vais prendre le métro, prendre une douche parce que voilà. Et je sais pas, la journée, le temps il est dégueulasse. On est le 1er décembre, mais la journée elle est cool, enfin j'ai pas grand chose à faire, je sais que j'aurai des retours vidéo à faire, quelques mails évidemment, parce qu'on est vendredi, et voilà. Bon, je suis rentré, il est 9h25, je vais me faire un matcha, j'ai trop envie, il faut que j'arrête le café, genre faut que je ralentisse un petit peu, et du coup, après je vais bosser, j'ai trop de trucs à faire, j'ai plein de trucs à faire, il faut que je vois, j'utilise ça comme matcha, c'est Nutri. En vrai, il est super bon, mais si vous avez des marques de matcha, parce que, j'en ai plus beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'en cherche, en fait, tout simplement. Et avec le matcha, j'adore utiliser du lait de coco. J'ai découvert ça vraiment, littéralement, il y a, je sais pas, 2 semaines. C'est incroyable, le combo matcha-coco, c'est ouf. Dans les pâtisseries aussi, c'est pas mal. Bref, on s'étale là, Théo. Petit outfit du jour.
J'ai mis un sweat parce que l'humeur aujourd'hui c'est très chill. On est chill, on se détend. Du coup, j'ai mis un petit sweat. Me demandez pas d'où ça vient, je suis vraiment nul pour ça. Et du coup, j'ai mis le même jean qu'hier. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une prise de karaté. Voilà, allez, on se met au travail. Hello, j'espère que le micro fonctionne, que ça marche. Je vais essayer. Hello, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, petit podcast FAQ, je vous avais fait une story sur Instagram, donc @1T1O.fourneau, pour vous demander des questions, parce que c'est un peu le dernier podcast que je vais faire avant la fin de l'année. Et du coup, bah, je voulais un peu les formats courts, donc on va commencer. La prise de poids. Enfin, je la prenais comme elle arrivait. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que... Il est 11h30 et je me suis préparé en mode grand froid. Et je vais aller en ville pour faire du repérage. Je pense que je vais aller à Emma, Jiffy, pour acheter des boules de Noël pour ce monsieur. Un peu de déco aussi et ouais je vais aller je pense dans le centre, je vais voir ce qu'ils ont et trop froid genre là vraiment j'étais sur mon ordi et tout et j'ai mis ma couverture, j'étais là mais je crois que j'ai pas mis le chauffage. Bon allez on y va. Mon Dieu il fait si froid, j'ai si froid. Oui maman je sais j'aurais dû prendre mon autre manteau mais j'avais la flemme. Carrément je me suis fait une liste de magasins à faire, de choses à faire. En fait je vais pas aller chez Jiffy, j'ai été traumatisé hier. Je vais aller chez Normal, j'ai vu qu'il y avait des trucs. Je vais acheter que des conneries, c'est sûr. Je vais aller chez Flying Tiger parce que ce qui paraît que c'est pas cher. Et je vais peut-être aller voir chez Emma. Voilà, après, je dois aller faire des courses parce que littéralement, je fais des courses au jour le jour et là, ça va plus du tout. Mon frigo, il est vide. Oui, en ce moment, je ne mange pas au restaurant. Je fais des petites pauses. J'avoue que ça fait du bien de manger chez soi. Donc, je vais faire des courses, des vraies courses et un petit café aussi. Horrible, j'ai envie de tout acheter encore une fois. Des achats d'adultes, on a dit. En fait, j'allais aller à un autre magasin, mais j'ai tout. Je suis en train de me rendre compte que j'ai tout. Donc là, je vais aller acheter un truc qui me manque, faire des courses, et après, on décore le sapin. Bon, mission accomplie, j'ai tout. Il me manque juste les courses, mais là, vous savez de quoi j'ai envie. Tellement froid, j'ai envie d'un bon chocolat chaud. Vrai chocolat. Bonjour, je vais vous prendre un petit marron chaud. C'était pas prévu ça, j'avais grave envie d'un truc chaud. Par contre les prix, les Parisiens, calmez-vous un peu sur les prix au marché de Noël. Du coup je suis parti parce que y a rien de magique dans ce marché de Noël des Tuileries, désolé. J'ai un autre magasin bon plan pour les courses qui s'appelle Charlie's Market. Il y en a deux dans le 20e. Franchement, c'est trop bien, vous allez voir. C'est que des invendus. Faut que je vous explique là. Le panier Too Good Too Go. Non, je rigole. Je vais pas vous faire des unboxings de. Comment on appelle ça? Hall de course tous les soirs, ça doit être chiant pour vous ennuyez pas. Enfin moi non hein, parce que je vis la journée mais du coup j'ai acheté ça. C'est du tofu aux chèvres. Ça m'a coûté 1,50€, ok. 1€, du Alpro comme ça, sans sucre ajouté. Ensuite, 1€. 1€. Mais prenez mon argent, vraiment prenez mon argent.
comme si j'avais pas assez de chocolat. Et après, je me suis arrêté à acheter juste des pâtes au Super U. Parce que j'avais envie de pâtes ce soir. Voilà, et j'ai pas de pâtes. On va mettre tout ça ensemble, mais j'ai acheté des petites boules. Et j'ai une boule surprise, mais je vous montre pas. Oh, mon étoile, elle est cassée. Mais en même temps, oui, bah oui, oui. Bon, bah, une étoile. Et des petites attaches pour attacher les boules. Parce qu'évidemment, c'est vendu séparément, sinon c'est pas drôle. Et la petite boule mystère. Bon, je range tout ça et... ah si, bah, le colis. J'ai aucune idée de ce que c'est, encore une fois. Oh la vache! C'est un calendrier de l'Avent Ricola. Ok, sympa, je sais pas encore où je vais le mettre. En fait, on va quand même l'ouvrir. Parce qu'on n'a pas ouvert de case encore aujourd'hui. C'est ouf. Hein. Oh, c'est trop mignon! Regardez! C'est des mini boîtes comme ça. Orange. Bah c'est de l'orange. Bon, il est 18h. Je vais enfin faire ce sapin. On va commencer par des boules comme ça que j'ai achetées. Attendez, je vais vous rapprocher. Boules là comme ça. J'ai acheté des petits crochets. Oh! Oh, ça va être mignon. Putain, j'ai des paillettes partout. J'aimerais bien en avoir dans ma vie. Au pied. Faut que j'accroche l'étoile qui est un peu morflée. Allez. Oh putain, ça part mal. Voilà. J'en peux plus. Après avoir bataillé de longues heures, j'ai enfin réussi à mettre cette étoile. Voilà ce que ça donne. Attendez. Non, c'est pas fini. Attendez. Qui serais-je sans petit croissant? Du coup, j'ai acheté cette petite boule un peu chère, j'avoue. Mais vas-y, j'avais envie de la mettre. Allez. On va la mettre là. J'espère que ça tient. Oui. Oh ! Magnifique. Le calendrier Ricola, c'était marrant, mais lui, il est plus intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Raisin amande. Alors, c'est très bon. Mais pourquoi le raisin est là? Il est 19h. J'ai publié ma vidéo Instagram. D'ailleurs, allez voir la recette parce que elle est dingue. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. J'ai tourné plein de recettes. Enfin, franchement, je suis trop content parce que c'est des recettes qui me donnent envie et genre c'est hyper simple en plus à faire et c'est pas tellement, enfin si c'est un peu sur le thème de Noël mais bref je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai filmé beaucoup quand même aujourd'hui, je me suis rendu compte et du coup j'essaye un peu toujours, je tâtonne un peu et je pense que demain je ferai un peu un moment posé avec la caméra pour bah, parler un peu de moi, de ce que je fais, enfin je sais pas du tout en fait. Je suis un peu fatigué, comme tous les soirs au final. Et du coup voilà, du coup on se retrouve demain sur YouTube, même heure, non je suis pas sûr, on verra. La bise.